Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la performance de l'épisode de Fallout 4. Donc on reprend l'épisode là où nous l'avons laissé la dernière fois. On fait ok, ok. Ça regarde pour ce contenu qui n'est plus présent. Il est possible que certains objets ne soient plus disponibles. Continue le chargement, oui. Alors je pense que c'est dû aux mises à jour des mods en fait, chers amis. J'espère que tout va bien se passer de ce côté-là. Chaque nouveau manuel de l'opération secrète de l'US Army ajoute un niveau d'aptitude à l'infiltration qui augmente légèrement vos chances de déplacement furtif. D'accord. Intéressant. Ok, pourquoi pas. Salut Dogmeat. La forme. Nous, on est toujours fringués comme il faut. Hop, range ton arme, range ton arme. Ouais, y a pas de problème. Bon, bah bizarre. On a toujours notre arme, oui. Ok, donc fallait faire attention quand on allait sortir de là. Pourquoi pas. Après combien qu'on va se faire agresser. Qu'est-ce que tu fous? Tu te pointes chez moi, tu dégommes mes gars? Tu te rends compte de ce que ça va me coûter? Plains-toi à ta poulette, Malone. C'est à cause d'elle que je suis là. Tu devrais lui dire d'écrire à ses parents plus souvent. Oh, pauvre petit Valentine. T'as les boules de tête fellatées par une gonzesse? T'aurais voulu que je rentre bien sagement chez toi. D'accord, c'était juste pour voir. Oh, pauvre petit Valentine. T'as les boules de tête fellatées par une gonzesse? T'aurais voulu que je rentre bien sagement chez papa, c'est ça? T'aurais pas dû fourrer ton nez là-dedans, Nicky. On n'est plus dans notre vieux quartier. Ici, c'est moi, le boss. Tu piges. Et c'est pas un pauvre privé qui va nous faire fermer la boutique maintenant que les affaires reprennent. Je t'avais dit qu'on aurait dû le buter. Mais fallait que tu fasses dans le sentiment. Toutes ces conneries de bon vieux temps. Ma cache, ouais. Darla, tu la boucles, ok? Je m'en charge. C'est moi le patron ici. Ah ouais? Alors qu'est-ce qu'il fout là, ce mec? Valentine a dû l'amener ici pour tous nous buter. Poussez à la violence, souvenez-vous de la carrière. Malone, attendez. Souvenez-vous de la carrière. Lily June sur les rochers. Ça vous dit quelque chose? Comment tu sais ça, toi? C'est bon, vous pouvez partir. Vous avez 10 secondes. Après, tant pis pour le bon vieux temps. C'est fini. What? Tu fous, Malone? Liquide-les! Non, Darla. Je leur donne une chance de se tirer. Et tu la fermes. Ma mère avait raison. Vous, les gangsters, vous savez que causer. On ferait mieux de pas traîner ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. 7, 8. Non. 9. Je suis pas à ta botte. 10. Bouffe. Je suis pas à ta botte. Je suis pas à ta botte. Ce que tu veux, ça suffira. Hop. Je suis pas à ta botte. Non mais oh. On se calme. Il avait un téléphone. Dans un téléphone. Ah oui non. Je crois qu'il avait un portable le pauvre mec. Non mais oh. Le mec, t'as 10 secondes ou je te bute. T'as cru toi. De toute façon 10 secondes pour rejoindre le truc c'était mort. Donc oui, c'est la sortie au bout, là, avec l'échelle. C'est qu'on avait vu dans le précédent épisode, donc. Non, non, mais il a cru, lui. Je te laisse 10 secondes. Tu parles, au bout de 5 secondes, on aurait fait 3 pas, il nous aurait tiré dans le dos. Non, mais lol. Alors, hello.
C'est vrai que j'ai trouvé stylé. En fait, ça c'est le canon, donc c'est oui, le canon entre guillemets automatique, la culasse automatique. Peut-être que je le mettrai comme ça, l'autorité des justes, ça peut être cool. Ah, le magnifique ciel du Commonwealth. Ouais. J'aurais jamais cru être content de le voir un jour. Merci de m'avoir tiré de là. Mais comment vous m'avez trouvé? Il n'y a pas grand monde qui savait où j'étais parti. J'ai mes méthodes. J'ai mes méthodes. Ah? Bah, ça m'arrange que ces méthodes impliquent de dégommer des gangsters. J'avais pas spécialement envie de crever là-bas. Tu m'étonnes. Bref, vous me parliez de quelqu'un qui a disparu. Et vous n'avez aucune idée d'où il peut être. Oh. Venez à mon bureau à Diamond City. Vous me raconterez tout ça en détail. En plus, ça vous donnera l'occasion de vous reposer et de vous vider la tête. Oh, il est sympa. On se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. À plus tard. Il est vraiment sympa. Je l'aime bien. Ce qui est marrant parce que, bon, les synthétiques jusque-là, je les ai pas trop appréciés. Mais lui, je l'aime bien. Ça ne me dérange pas de l'admettre. D'accord. Recycleur, faut attendre le niveau 23. Chef local, tout le monde me dit de le prendre, mais pour l'instant, j'en ai pas trop envie. Hop. Où est-ce qu'on peut mettre des points? Où est-ce qu'on peut mettre des points? Où est-ce qu'on peut mettre des points? On peut peut-être en mettre un là-dedans. Hop. Pour les armes de corps à corps. On a plus que 19 steam packs. Ah, il me semble que j'en ai bouffé un bon paquet à un moment. Eh ben, on va l'en racheter. Bon bah, salut vieux, hein. Hop. Première piste, intéressant. Drumlin Niner, le voilà. Oh, elle est laide. Elle est absolument laide. Je les trouve horribles, ces putains de... d'armes. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Ok. J'ai pas que ça à faire, moi. Vous achetez quelque chose ou quoi? Ouais. Voyons ce que vous avez. Vous en aurez pour votre... Ouais, je veux bien te croire. Ah oui, donc ils ont 100 crédits de plus maintenant en plus, c'est génial. Au niveau des armes, est-ce que j'ai des armes moisies à donner ou pas? Fusil de combat, oui ça j'avais dit qu'il était pas mal. Celui-là je vais le vendre. Patrouilleur, plastron en métal. Ça je peux le vendre aussi. Hop. Hop, 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 hop. Porc au haricot, purée minute. Sanguine, viande de ratope, viande en boîte, épi de maïs, c'est bon. Rien d'autre, rien d'autre. Ça va être un peu short alors. Soin. Ok. On commence par ça alors. Merci. 4, c'est toujours ça de prix. On va peut-être aller aussi à Sanctuary. J'aimerais aller voir du coup pour les armes de corps à corps. Principalement pour l'épée. Oui, donc il faudra vraiment falloir. J'ai vu une texture qui faisait qu'il le rendait moins plastique. Je pense que je vais utiliser. Faut dire que pour l'instant, les mods se résument beaucoup aux textures, hein, chers amis. Autant vous le dire tout de suite. Les mods se résument beaucoup aux textures. J'aimerais bien qu'il y ait plus d'armes. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup plus. Faut aussi qu'on aille modifier aussi la... Alors, attendez. Alors, faut qu'on aille modifier celle-là, déjà. Condensateur standard. Capacité en munitions. Donc, faudrait qu'on ait ça. Faudra plutôt qu'on ponge sur Scientifique 3. Pour l'instant, ça risque d'être long. Canon long. D'accord, Scientifique 2. C'est peut-être pour ça qu'on partira la prochaine fois. Alors, apparemment, annulé, pardon. Apparemment, on pourra pas améliorer celui-ci d'abord.
Le sabre rail, lame électrifiée. D'accord, il faut que je j'ai scientifique 1, mais surtout forgeron en 3. Donc on n'a pas de chance de ce côté-là. J'ai un service à vous demander. C'est idiot, je sais, mais j'ai bien besoin d'une chaise. Quelque chose d'un peu plus doux pour mes vieux os. Vous pourriez faire ça pour moi? Oh, c'est triste. C'est d'une tristesse. Alors, fanat d'armes, il me faut le rang 3 pour avoir celle-ci. On peut commencer par là. Vous savez quoi? Depuis notre conversation, je me sens en pleine forme. Nous deux, à Sanctuary, parés pour l'avenir. Précision 1. C'est quoi cette arme? Crosse de tireur d'élite. On va mettre ça. Crosse complète donne quoi? Non, on va mettre une crosse de tireur d'élite. Hop, chargeur standard. Chargeur moyen, éjection rapide. Bouche. Faudra ça aussi un jour. Portée médiocre, médiocre, d'accord. On va le laisser comme ça. Viseur, on va mettre une... On va mettre une mire à l'avant, ça va être classique. Hop, et on va l'appeler fusil le cloneur de balles, le cloneur de balles. Ah mince. Il me semble qu'à clone normalement il y a un accent. Hop. Fury point assisté. Oui, je voulais voir ça. Bobine thermique, inflige des dégâts d'énergie. Ouais. Ça va pas l'air génial ici non plus. Hein. Batte de baseball. Aluminium. On pourrait l'avoir, mais on n'a pas assez d'aluminium. Merde. Dommage. À lame. Hop. Hop. On va essayer de voir si on peut pas trouver de l'aluminium quelque part. Ça, je peux le prendre. Quel est le mafioso, je peux le récupérer aussi. Mitraillette, je peux aussi le récupérer. Ça aussi. Déjà là-dessus, est-ce qu'on a des choses à acier, vis, engrenage? J'ai l'impression que l'aluminium, on va pas en trouver dans les armes, en fait. Ken le mafioso, on la vire. La machette, on peut la virer aussi. Mitraillette, pareil. Hop. Non, on va pas en trouver ici. C'est pas grave. Stocker bric-à-brac. Canigou. Mais non! Qu'est-ce que tu branles? Ça ne vous dérange pas de fabriquer une chaise pour la vieille Mama Murphy ici? Ok. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir perdu quelqu'un, mais... il me manque tellement. Atelier, une chaise. Et comme les petits vieux, on va les mettre à regarder la route. Ah, ma Murphy! Vous savez quoi? Depuis notre conversation, je me sens en pleine forme. Ça a l'air de bien pousser. À Sanctuary, paré pour l'avenir. Bon.
L'aluminium, où est-ce que je pourrais en trouver? Putain. Eh, mais. Ah si, ils sont là. Je croyais qu'ils étaient plus là. Hop. Ça, c'est cool. L'aluminium, je sais pas du tout où est-ce que je peux en trouver, par contre. C'est casse-couille, ça. Bref. Kanigou. Hey. Échanger. Te barre pas! Tout prendre. Oui. Hop. Est-ce qu'on a des choses à supprimer par ici? Apparemment non. Hop. Est-ce qu'on a des choses à stocker ici? Apparemment non. Ils m'ont pas dit grand chose. Ah, tais-toi. Ils m'ont pas dit grand chose chez Voltec. Oui, bon, on se doute bien. Hein. À mon avis, si t'avais su qu'il y avait une bombe nucléaire, t'aurais demandé à avoir ta place justement dans l'abri. Si t'avais su qu'il y avait une guerre nucléaire, t'aurais demandé ta place. Je pense. Ce n'est que mon avis. Mais bon. Alors. Merde, je suis pas allé au bon endroit, elle en a plus de. De Steampack, elle. Diamond City, on va à Neighborhood. On va à Neighborhood, j'aime bien, moi. Je trouve qu'elle est sympa, cette ville. Les aventures d'un vendeur de viande séchée de Junktown ajoute un nouveau petit vendeur de Junktown qui améliore légèrement le prix des marchands. D'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi j'ai vendu ma mère. Oh la gueule. Hop. Bonjour. Vous avez un passé à oublier. Je vous félicite pour ce que vous avez fait à la bibliothèque. Merci encore. Vous voulez voir la... Troqué. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. J'ai un peu de tout. Je veux bien te croire. Oh. Mouvement de speed. On se déplace 10% plus vite, ça peut être intéressant ça. Dommage que ça coûte aussi cher. 810 capsules, ça va faire mal. Hop. Résistance au poison. Un truc moisi. Un truc moisi. Bourbon. Buff jet, hop, hop. Gwynedd, Nuka-Cola Cherry, Nuka-Cola Quantum, Quantum. Pomade, Psycho Buff. Vin, vodka, vodka, whisky, whisky. Ah. Mais mode, canon court, fusil de combat. Ouais. Ça me dérange pas de lui donner. Par contre, je lui donne quand même 400 pixels. T'as de la chance. Ok. Alors, est-ce que je peux? Je peux pas lui récupérer mes pixels. Ça, c'est vraiment dommage. Quoi? C'est vraiment dommage. Non, je file pas déjà. On va retourner voir ici. Au troisième rail. Donc oui, bah, je cherche toujours le personnage. Apparemment, il y a un personnage qui permettrait d'avoir une quête au niveau du comment, de si l'asile, le Parson, de Jim Parson. Donc de Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory. Je suis intéressé. À vrai dire, ça m'intrigue. Mais il y a personne en fait. Salut. Donc j'espère qu'il fallait pas que je récupère un truc sur les cadavres et que j'ai complètement zappé ou un truc dans le genre. Hop, good neighbor, on y retourne. Et on va se téléporter, je pense qu'on va aller à Diamond City, ça fait longtemps, je trouve. Shine white like a diamond. Shine white like a diamond. Hop, Diamond City, on y va. Le beau diamant vert du Commonwealth fait la colonie la plus grande et la plus sûre de sa région. Malheureusement. Mais bon, bientôt Sanctuary, ce sera pareil. Quand ils auront fixé tous les problèmes du jeu... Au niveau du housing, il n'y aura pas de problème. On l'améliorera. Juste pour voir d'ailleurs, on va quand même aller jeter un œil. Sauvegarde rapide, c'est pas grave. Options. Commande.
Eh ben non, toujours pas réglé. Toujours pas réglé. Hop. De toute façon, je crois qu'ils nous avaient prévu un patch, mais c'était pour la semaine dernière et on l'a pas eu. Comme ça, c'est clair. J'espère que c'est une urgence. Sun ? Ah oui, Docteur Sun. Exact. Donc on va retourner voir là-haut. Vous vous rappelez là où j'ai lâchement assassiné quelqu'un ? Sympa votre arme. Du moment que vous la dégainez pas. Du moment que vous la dégainez pas. Ok. La maison coloniale, j'aimerais m'y rendre. Même s'il n'y a plus de propriétaire, j'aimerais être sûr qu'il... Parce que le mec est censé popper là, on m'a dit. Apparemment, c'est pas le cas. Il est cool cet endroit, c'est dommage qu'il n'y ait plus de barman. J'appréciais beaucoup l'endroit. Attention à ce que vous faites. Je vous ai à l'œil. Alors, vous auriez des doutes sur moi, les gars? Ah, 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 ils apparaissent plus trop bleus. C'est ma tournée. Colette? J'écoute. Vous offrez un verre à tous les gens que vous rencontrez? Non, pas vraiment. Je cherche un certain Henry Cook. Vous savez où on peut le trouver? Pourquoi vous le cherchez? Pourquoi vous le cherchez? Bonne question. C'est mon père. Ça fait un moment qu'il a pas donné de nouvelles. Alors je viens voir si tout va bien. C'est pas le mec que j'ai buté. Je le connais je à peine. Je regrette. Je le connais à peine. Si vous le dites, je vous verrai sûrement en ville. Salut. C'est pas le mec que j'ai tué. Merde. Parce que vu comment qu'elle est habillée en armure, à mon avis elle s'est tirée. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Mais ouais non, attendez, je vais aller voir parce que je me rappelle où est-ce qu'est sa maison. Alors son nom, je me rappelle pas de mes victimes moi. Ah non, Latimer. Ah non, ça va. J'arrive pas à croire que vous ayez retrouvé ces merdouilles de baseball pour Mocronine. Ces merdouilles de baseball pour Mocronine. Tu te calmes. What? Vous avez lu cet article dans Public Occurrences. Ces foutus synthétiques peuvent être n'importe où. Allez voir ailleurs. What? Hey. J'ai pas envie de discuter. T'as quoi sur toi? Salut. Tirez-vous. Oh putain. Ce manque de respect. Ce manque de respect. Yo. Votre structure osseuse est absolument merveilleuse. Merci. Vous devriez passer à méga chirurgie un de ces jours. Vous avez besoin de nouveaux vêtements? Vous feriez bien de passer au sous-sol de Fallons. On est ouvert en journée. Oh non. Je sais pas ce que vous voulez, mais gardez ça pour vous. Ça vaut mieux. À non, apparemment il est pas là. Non, non. Bon. Content de voir qu'on ne vous a pas... Ça m'ennuie cette histoire, je l'avoue. Mais bon, c'est comme ça, j'imagine. Alors, bah écoutez, on va y retourner à l'asile. On va aller voir Parsons. Hop. Je vais quand même aller voir si je me trompe pas au niveau du nom. Jim Parsons, c'est bien ça. Donc, est-ce que ça correspond à ça? Même si sa mère lui a fait faire des tests. Alors j'aimerais quand même retrouver les cadavres, peut-être. Peut-être qu'en les retrouvant, je pourrais peut-être... rentrer, ou alors il y a une entrée autour. Ou d'autres, peut-être d'autres ennemis autour. Jeu de société. Vous êtes sur une propriété privée. Je vous conseille de ficher le camp. Bonjour. Vous êtes sur une propriété privée. Je vous conseille de ficher le camp. Vous êtes sur une propriété privée. Salut. Cette zone est interdite. Circulez.
Vous êtes sur une propriété privée. Ça va chier. Je vous conseille de ficher. Hop. Tiens, vous savez quoi? On a une nouvelle arme. Si on l'utilisait. Hop, on va la mettre à la place. À la place du 7, le sabre. Hop, il a l'air de faire assez mal. Hein. Oui, ils ont des sacrées armures, dis donc, quand même. Hein. En fait, voilà ceux que j'attendais, que je cherchais, peut-être. Comme je les avais pas tous tués, le truc se déclenchait pas, les amis. Sûrement ça. C'est un spot lumineux, je crois. D'accord. Ok, donc voilà la raison pour laquelle, en fait, je ne trouvais personne. Potentiellement. Il y a une radio, là-bas. Pas de piège? Non, apparemment non. C'est con parce que l'endroit en lui-même est pas... Ah, là c'est carrément barricadé, d'accord. Alors si je devais... présumer... de l'histoire en question, je dirais que j'ai en fait tué l'équipe du mec en question qui aura réussi à me retrouver. Bloc-notes abîmé. Et qui du coup me rengagera moi. Oh, un tracteur, sympa. Hop. Scotch, ça c'est cool d'en trouver. C'est assez rare. Je prends tous les fusibles du monde par contre, ça c'est une violence. Je sais même pas pourquoi je les prends. Hein. Ah, là c'est un cul-de-sac. Sauf si on traversait par la flotte, mais bon la flotte c'est radioactif maintenant. Enfin, à cette époque. Hop, on se pique un coup. Manta et Jet. D'accord, il est drogué un petit peu, peut-être. Peut-être. Poche de perfusion. Grand biberon, petit biberon, hoché. Ça, c'est triste. C'est même limite creepy. Ok. Une tondeuse à gazon. Ok, 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 ok. Bon. Maintenant qu'on a fait le tour, ce qu'on aurait dû faire depuis le début en fait, allons voir à Diamond City si les mecs ont pop. Le mec a pop ou les mecs ont pop. Oh, les postes contre militaires d'avant-guerre qu'on trouve un peu partout dans le Commonwealth, que c'est-tu des endroits parfaits pour trouver des réacteurs à fusion. Tu m'étonnes. Ah oui, on m'a demandé pourquoi je n'utilisais pas l'armure assistée. J'attends d'avoir une armure assistée complète en fait, pour pouvoir sortir avec, tout simplement. Ça me semble logique. À ce sujet, j'ai vu un mod, chers amis, parce que oui, déjà j'ai rajouté des mods sur les armures assistées qui permettent en fait d'avoir une meilleure texture entre guillemets sur les armures et de meilleurs reflets. Bref, ça c'est anecdotique. J'ai vu un mod, chers amis, qui me permettrait de modder contre un prix extrêmement cher, bien sûr. Contre un prix extrêmement cher, de modder les armes en légendaire. Je trouve ça naze. Cependant, je trouve intéressant le fait que ça coûte extrêmement cher. J'attendais tellement plus de ma vie. Paul Pembroke, President. La chance est capricieuse. Faut en profiter tant qu'elle dure. Achetez ou vendez ce que vous voulez et fichez le camp. Si vous avez faim. Ok, donc apparemment il n'est pas là. Il n'a peut-être pas eu le temps d'arriver aussi. Hein. Hawthorne, d'accord. Hop. Vous avez une raison de m'embêter? Fichez. Pardon. Quand je voudrais vous parler, je vous le ferai savoir. Saloperie. Il y a des gens qui me parlent comme ça qui se bouffent des balles, hein, mais bon. Dans le jeu en tout cas.
Dans la vraie vie, c'est juste des coups de poing dans la gueule. Non, je rigole. On se calme. Je donnerai mon bras gauche pour en avoir un. Je vous en prie. Dites-moi que vous ne voulez rien boire. Excusez-moi. Vous devriez boire un verre. À quoi bon avoir un jeune homme si sûr de lui parmi nous si on ne le fait pas boire un peu pour lui faire tourner la tête? Ah, oh, c'est sympa. Tu me payes un coup, puis c'est bon. Je suis habituée à ce que les pauvres et les demeurés de Diamond City viennent me réclamer quelques miettes. Oui, je sais, j'aurais dû la buter. J'aurais dû. Je ne l'ai pas fait. Je me suis retenu. Apparemment, c'est pas ici qu'on le trouvera, le bonhomme en question. Je suis en train de me demander si c'est pas des cracks, hein, ce que vous m'avez dit. Pourtant, ça me semblerait logique. Nous rendre à un hub pour... En fait, sur le principe, nous rendre à un hub de PNJ pour trouver quelqu'un qui veut bien donner la quête pour rentrer dans le bâtiment, ça me semble être une logique Bethesda. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais le fait de devoir buter des mecs devant un bâtiment random... Enfin, devoir buter des mecs devant un bâtiment pour que ça débloque le truc, là, par contre, ça m'intrigue un peu plus. J'ai des doutes. Enfin bon. Bonjour. Ouais. 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 Ils parlent tellement bien les doubleurs dans ce jeu. Alors, on y va. On va aller boire un coup. Oh, je suis pas allé voir le mec de bière. Le mec qui fait les bières. L'éthylotron. Salut. Salut. Vous me pompez mon espace vital, monsieur. Non, bon, bref. Vous savez quoi? On y reviendra un peu plus tard. Hop là. Good neighbor. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on explore? Est-ce qu'on fait de la quête? Apparemment, vous voulez que je fasse un peu plus de quête. Vous voulez que je fasse l'abri 81? Oui et non. Pourquoi? Parce que bah déjà d'une, j'aimerais savoir s'il y a une quête dedans. Ce serait cool. Opération souterraine. Ah ouais, tiens. Accéder au labo clandestin. Pour aller se faire ça. Merde. Où il est ce foutu labo? D'accord. Eh ben on va s'y diriger, je pense. Et ensuite on y rentrera dans le prochain épisode, je pense aussi. Comme ça, ça va nous faire un petit peu d'aventure et d'exploration comme j'aime, et vous aurez votre épisode de quête dans le prochain. On va dire qu'il sera particulièrement difficile là-bas, dans ce genre de cas, il vaut mieux opérer une retraite stratégique et revenir quand vous serez plus fort. Ouais, alors ça, je suis pas tout à fait d'accord avec ce genre de choses. Féroce source mutant. Ça c'est clair qu'on peut pas leur retirer qu'ils sont féroces, hein. J'aimerais bien avoir un robot comme ça par contre en follower, ce serait cool. Quoique maintenant on pourra avoir des synthétiques aussi. Ça c'est vraiment... Ok, il s'est passé quelque chose encore. Ah oui, c'est vrai, la portée est moisie, cette arme. Hop. Fait mal. Hop. Brassard gauche en cuir. Oh, c'est intéressant ça. Ils sont sur le pont. Qui est là? Oh que non, ils sont pas sur le pont.
Kenigou, tu es où? Il y avait un bonhomme là. Le jet, ça rend un peu nerveux, qu'elle disait. Un peu mon cul. Ouais, je confirme. Allez, viens! Juste pour voir, ça utilise quoi comme munition? Putain, j'ai vu que j'étais passé en. Du calibre 12. Ah, la même que celle-ci. Ça, ça pue. Qu'est-ce que. Hey! C'est fou, il est passé par ça. J'ai rien senti! Dégage, putain! Tu finiras bien par être à court de munitions. Oh, putain, tu vas me le payer! Oh! Hop. Hop. Allez, gros dur. Amène-toi. Il est là-bas? Ah oui, il était là-bas. J'espère que ça vaut le coup ce que t'as sur toi. Apparemment, il a un copain. Faut quand même se soigner un petit coup. Là, je regarde d'avoir rendu un petit peu tous mes soins. Ah, j'ai de la viande de fond de jeu, c'est cool. Bon, de toute façon, il me voit pas, lui, j'ai l'impression. Hop. Alors allons-y. Hop. Plutôt passer par là. Si ça marche. Ouais, il y a une porte là, non? Ouais. Donc en fait, on était dans un camp, mais on s'en est pas rendu compte. What? Veux s'amuser avec moi, hein? Ah bah oui, Boston, c'est une ville portuaire, je crois, non? Ah oui, sans doute maintenant que je vois ça. Je suis con. Super mutant. Merde, couvert à taupe. Oula. Kamika, super mutant. D'accord. Merde, couvert à taupe légendaire. Il y a des bouts partout. Hein. Exécuteur super mutant. Rouleau pâtisserie légendaire. Au nom de Dieu. Rouleau pâtisserie légendaire. Oh la gueule. Invitation d'Adrian. Il y a des trucs à aller voir là-dedans. Putain. Divers. Ah, merde. Alors. Hop. Je t'écoute. Adrian, c'est Carl. J'ai un boulot qui pourrait te brancher. T'as entendu parler de Jamaica Plain, pas vrai? L'endroit où ils ont enterré ces trésors avant la guerre. Personne ne les a jamais trouvés à cause des ghouls. Sal est en train de monter une équipe et il nous manque un sniper. Partage en part égale. Ça te tente. Si c'est le cas, tu sais où me joindre. Venez découvrir les fabuleux trésors de Jamaica Plain. Cette exposition exceptionnelle sera à l'affiche pour une semaine seulement. Découvrez vite des objets inestimables avant qu'ils ne retournent pour toujours à l'abri de la lumière. Venez profiter de cet événement unique en famille. D'accord, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant. Où que ça soit, hein. Jamaica Plain, c'était là-bas. Ok, progressons. Oula! Quand les dauphins commencent à ressembler à ça, c'est pas bon. Normalement.
Habitants des terres désolées. Tant pis. Yo! Excusez-moi. Ah, c'est pas chaud, hein? Non, effectivement. Je pille vos réserves, hein, vous permettez? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Hop. Crac. Je suis pas sûr que ce soit legit comme endroit, mais enfin bon, c'est pas grave. Oula, non. Me coince pas comme tout à l'heure. Ok. Complètement vide. Ça m'étonne qu'à moitié, j'ai pas l'impression que c'est un endroit dans lequel on est censé vraiment aller. Waouh, c'est bizarre ce truc là-bas. Ok. Ah bah apparemment j'y suis. Comment tu peux la rater à cette distance là? Putain, le rush qu'elle m'a fait celle-là. Saloperie. Nom de Dieu. Je déteste ces bestioles. En plus, elles ont rien sur elles. Ouhou, des canettes. Ah ouais, par contre, il y avait un mec qui était là avant. Oh, c'est d'un style. Fil de détente impossible à désamorcer. Parce que c'est un rayon laser. Intéressant. What? J'ai les tripes et en faire un collier. Tu es là, quelque part. Ok. J'ai pas du tout compris ce qui m'a tué. Pas du tout. D'accord, là j'ai compris ce qui m'a tué. Oh putain. Putain. c'est une horreur ce truc, ce mob. Ah la gueule. C'est stylé, j'avoue. Tu sors mon arme? Lui, il est légendaire.
Goule sauvage, dévoreuse légendaire aussi. Alors, si on prenait ça, faudrait qu'on aille au cac par contre. Hop, on se pique. Elle avait un lance-flamme légendaire, un lance-missile légendaire. Non. Oh putain. Oh, cette fin d'épisode. On va y arriver. Hop. En pleine nuit, c'est horrible. En pleine nuit, c'est absolument horrible. Hop. Que la lumière soit. Et elle ne fut pas tant que ça. Tu cognes pas le cafard. Comme quoi? Tu commencerais par me regarder, mou du gland. Ça y est, j'aurais même fait de me taire. Hop les. Ah bah ça, j'aurais dû avoir ça plus tôt. Donc maintenant qu'on a celui-là, hop, sauvegarde rapide. Alors. What? J'ai bien vu que je me l'étais pris en pleine tête, mais quand même. Par contre, celui-là, je pense que je peux le dégommer au... au lance-missile. Hop. Tu m'étonnes. Arrête de bouger, saleté. Hop, on va se calmer là-dessus. Ouah, j'ai 958 balles. Merde, où il est cet ennemi? Où il est? Je le vois même pas. Aïe. Ce coup m'a fait super mal.
pas au bon endroit en plus. Peut-être commencer par avoir mal au crâne, toi, non? Essaye toujours. Maintenant que t'es mort. Caché, ça y est. Oh putain. Kanigou a trouvé quelque chose. Bah tu rigoles. Tu vas attendre, Kanigou. Non mais où? Fusil laser moisi. Ah non, fusil de chasse, rapidité. Ah il est intéressant. Hein. Je ferai peut-être un canoncier celui-là. Waouh, le combat de la mort. Mais il y en avait d'autres des légendaires normalement. Que j'ai buté. Ou alors je me trompe. Un bol à soupe. La soupe d'humain. Ok. Ah, je savais bien que j'avais vu quelque chose tout à l'heure. Je peux pas te déplacer? Et ça y est, allez hop, dégage. Putain, j'en aurais chié, hein. Oh là, tout ça pour clear une zone. Et y'a pas un siège en... Ah putain, y'avait des ghouls aussi. Y'avait des ghouls tout à l'heure. Ouais, je m'en rappelle plus. Général Atomix. Dis pas que je me suis suffisamment déplacé. Ah putain, si, je me suis suffisamment déplacé pour plus être au même endroit. Voilà, elles étaient là les ghouls avant. Hop. Elle avait rien. Oh putain. Ok. Kanigou, fais pas le con, passe pas dans le rayon laser. Tu me laisses passer, par contre, ça serait cool. Quoi, attention. D'accord, il y avait une cible tout en haut. Donc il y a des ghouls même en haut. Ok, celle-là je l'ai eu. Normalement il y a sa copine aussi là-dedans. Ok. Une goule légendaire. Ok. Ok, je l'ai vu juste à gauche. Et on l'a eu. Fouh! On en chie quand même, hein. On en bouffe du comment du Steam Pack, hein. Oh la gueule. Bon, 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 bon. Alors Boston Bugle roulé, d'accord.
Eh ben, on va dormir là, chers amis, à peu près 8 heures. Et écoutez, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc, vous pouvez retrouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. À plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et toc.